Mec, on fait quoi? Je sais pas. Viens, venez, je vais mettre ma pisse à Miami. Vas-y. Regarde, j'ai une bouteille de coca vide. Et j'ai mot du pipi. Mec, t'es sûr? Mais attends, mais t'as vraiment pissé là-dedans? Ouais. Mais mec, on a débouché. Non, mais t'es sérieux? T'inquiète. Mec, on a débouché, chien, pourquoi tu fais ça? Les gars, taisez-vous. Putain, mais t'es vraiment un connard, mec. Mon pipi va aller à Miami. Putain, mais mec, je filme pas en vrai, va te faire enculer, mec. Putain, mais. Pourquoi t'as pissé là-dedans, mec? Parce que j'avais envie. Putain, mais mec, t'es. Voir comment je pissais. Putain, mais t'es vraiment con, mec, c'est bon, ouf. Du coup, je vais amener ma pisse à Miami, parce qu'en fait, on s'ennuie un peu, et je me suis dit, en fait, mon pipi, il est jamais allé à Miami. Et je pense que... Non, mais mec, fais ça sous l'évier. T'inquiète, mec, sur l'évier, t'es malade? Bah ouais. T'inquiète. Non. Après, la série. Quoi? Non, mais gros, il est sale. Ah, t'es dégueulasse, voilà. Gros. Ta gueule. Jamais non, on va tirer du jus de pomme bien sucré, t'sais. J'en ai sur les doigts. Non, du coup, j'ai ma fiole de pisse, y'en a un peu sur les doigts, mais bon, c'est pas grave. Oh, mais putain! Et je vais amener cette fiole de pisse à Miami. Pourquoi à Miami? Parce que je suis youtubeur. Et le titre de la vidéo, ce sera ma pisse à Miami. Waouh! J'emmène ma pisse à Miami. On déménage à Miami, et c'est ce genre qui fait plus de. Ma pisse à Miami. Et bien, je fais une vidéo juste à propos du pipi en fait. Je parle non, du pipi. Vas-y, je pose ça, c'est bon. Mon sac est fait! Mon sac est fait! On va prendre Harold, passe-moi Harold. On lui a fait un compte Instagram, c'est notre nouveau pote. En fait, ils sont trop cons, mec, à l'immigration, parce qu'ils vont croire qu'on est que 3 et 2, alors qu'en fait, on va mettre un passager. On va baiser une place. Ouais. Viens, Harold. Un petit mot pour Harold. C'est compliqué, mon pépi, il a coulé sur la bouteille, gros. Il est un peu stressé. Mec, il a coulé sur la bouteille, là où t'as embrassé. Laisse-moi lui faire un câlin avant de te mettre dans le sac. En vrai, je comprends. Viens là, mon petit Harold, tu vas manquer, bébé. Il a l'air stressé un peu. Ouais, il a l'air un peu stressé. Ouais, regarde, il fait des bulles, il est pas bien. Mais c'est normal, gros, c'est l'inconnu et tout. Ça va bien se passer. C'est un peu l'inconnu, t'inquiète pas. Tu vas aller sur la plage, tu vas te mettre bien. Il y a plein de biatchs. Pipi de pute. Des petites crabes biatchs. On va te payer des escort girls, elles vont te pisser dans la bouche, t'inquiète. T'inquiète pas, Harold, tu vas te baigner avec nous. Tu vas être bien là-bas. Arrête de stresser. Tu vas tenir. Ça, mec, il est en train de stresser là. Non, mais calme-toi. C'est bon, t'as ta valise, Harold. T'as tout ce qu'il faut. C'est bon, t'as tout. Tatouage. Ferme ta gueule. Détends-toi, putain, on t'a créé un compte Instagram. Dépêche, mec. Il y a le taxi, c'est bon. Dépêche-toi. On y va, Harold. Soldat, direction Miami. C'est Harold. Il dort. C'est Harold, il dort. Mec, il est dans le coffre là. Il m'entend pas là. Il dort. Vous allez réveiller. T'es un malade, hein. Vous allez réveiller, il va gueuler. Il est complètement dingue. Il va péter les plombs. Mais non, mais putain. Direction le bus in the middle time on the one final way to King. Nous allons aller à Ville du Québec et ensuite nous allons aller à Montréal et ensuite. Ok. Mais je sais pas s'il va bien, les gars, vous en battez les couilles d'Harold. Vous en battez les couilles. Vous en battez les couilles d'Harold. Vous en battez les couilles d'Harold. Les gens sont choqués, mec. Mais c'est une bouteille d'eau comme tout le monde. Quoi? Baby, can you move around the rhythm, switch hand, get with into the roll and get us a fuck and roll. Harold, ça va quoi? Mais Harold. Il est pas bien, gros. Je vois, il est pas bien, gros. Ça fait 24 heures qu'on est dans le truc. Il est pas bien, gros. Ah, si, fais des bulles, c'est bon, il va bien. Fais des petites bulles, mais des petites. C'est bon, il va bien, regarde, il en a fait une grosse. Ah, mais il est trop fatigué, gros. C'est vrai qu'il est fatigué. Laissez-le se reposer là. Déjà vu, I've just been to this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Mec, welcome to Miami, mec. What the fuck, mec, c'est un bio Minecraft qui a changé. Ça, c'est une bouteille nucléaire, gros. Je vous jure, c'est une bouteille nucléaire. Mais c'est Harold, quoi. Harold, la bouteille qui a fait toute l'Amérique en bus. Qu'est-ce que t'en penses, Harold? I don't want to live without you. Qu'est-ce qu'on fait, mec? Faut qu'on fasse un film sur cette bouteille. Il fouille les valises, on a Harold. Oh, on s'en bat les couilles, bah, bon. T'es sérieux? Mec, il est tombé, Harold. Il est tombé. Tiens, il est tombé. Il est tombé. Mec, il a frappé Harold. Prends Harold. Bouge ta mère. Tiens, prends Harold. Go to Miami. Harold est escorté. Présent, mec. Il m'a mis, mec. Mais c'est ici, mec. Tu vois pas? C'est quoi ça? Ça, c'est Toulon, ça. Bien arrivé à Miami.
Un rôle de plan. Oh mec, petit double. Mec, regarde. Sa poêle s'est arrachée. Sa poêle s'est arrachée, mec. Putain, vous êtes con, regardez. T'es sérieux, mec? Allô, la police? Non mais j'ai un meurtre. Non mais sérieux, viens, on appelle la police, gros. 911. Pédophile killed bouteille peace. Hello, we are in airport in Miami and my friend drop my another friend. So now t'es pas, t'es pas vraiment en train d'appeler, mec. Making bubble and I think he's dead. Attends. Yeah, his name is Harold. Non, attends. T'appelles pas vraiment, mec. Ok. Mec. Nice, thanks. T'appelais vraiment là? Ouais. Mec, t'as vraiment appelé? Mec, il a vraiment appelé? Il vient d'appeler. Mec, il vient d'appeler les flics! Il vient d'appeler les flics. Alors, pour la bouteille de pisse, mec! Avion pour la France dans 5 minutes. Harold prend le taxi. Mec, attends, tu sais qu'il vient d'avaler un peu de ma pisse, le mec. Je te jure qu'il y en avait sur le bouchon, gros. Non, parce que j'aurais senti. Sans la bouteille de pisse. Et dis-moi que ça pue. Allez, pas la pisse. J'entends pas, j'entends pas. Bébert, il vient de sucer Harold. Il vient de... Mec, est-ce que... Juste, bébé, est-ce que pour 1000$, tu suces Harold? Non. Mais gros, il a fait 48 heures de bus. Tu viens de sucer Harold, gros. Il a le droit, gros, c'est comme ça. Tu viens de sucer... Alors regarde bien ce que je vais faire. Il est excité d'eau, il fait des bulles. Il fait des bulles comme les crabes. Pourquoi tu l'insultes, mec? Tu le kiffes. Ah, un yacht avec la putain de ville de Miami. On dirait les gens, ils sont tout petits. On dirait on est des crevettes, mec. What? On dirait on est des putains de crevettes. Ils sont miniatures. On est des crevettes. Ça fait quoi d'être une crevette, Bébert? Je suis une crevette. Nice. Legends never die. Legends never die. Premier à Miami Beach, on sait pas où on va dormir. Mais ferme. Cagoule est en panique et nous on est complètement nice. Serein parce qu'on pourra dire aux flics en fait que c'est à cause de Cagoule qu'on est venu ici. Venez, on dort dans la poubelle là. Une voiture ouverte, mec, tu sais que les gens à chaque fois ils vont croire on fake et tout alors qu'on est vraiment des retards. Putain, mais qu'est-ce. Mec, on est les seuls clochards touristes à Miami Beach. Mais qui fait ça, gros? Qui? En plus, c'est des flics partout. J'ai une idée. Genre, on va à la plage, on se baigne et après on réfléchit. On demande à des gens de dormir dans leur cave. On va se baigner. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je vais essayer de capturer un oiseau. Il est vraiment trop moche. Salut à tous, aujourd'hui on va faire un château parce qu'on sait pas où dormir. Du coup on va faire un petit château en sable. Alors j'ai déjà fait les remparts ici, comme ça on pourra pas nous attaquer pendant la nuit. Voilà. Là ça va être ma chambre, ici. Je fais un petit trou, voilà, ici ça va être ma chambre. Azuek qui va dormir sur le canapé, ici là, tranquille, voilà. Et Kagou il va dormir aussi sur le canapé. Voilà. Si tu dis wait, t'es pédé. Si... Ouais. Oh non. Là il a vraiment... Putain, il a vraiment dit, mec. Oh non, mais. Ah, il a encore dit. Oh non, oh, le PD. Ah, je me casse, je me casse. Ça va trop loin. Mec, ça. Viens, on se casse. On dort où par contre? Je sais pas, mais on dort. On vit. On va dans la rue. Mais on vit, gros, c'est le principal. Non, on vit pas en fait. On. Frère, on est comme Jack Sparrow. Mais quoi? Ouais, sucer ma queue alors. Mec, on est des Jack Sparrow. Si tu dis wait, c'est un PD. Oh non. Oh non, je suis PD. Non. Yo, on vient de prendre un taxi. Je suis complètement mort. Ça fait. On a pris 80$ de taxi. On est complètement perdu en plein milieu des États-Unis, au nord de Miami. On a pris une chambre, deux places en fait pour trois. On est paumé, il y avait rien du tout parce qu'il y a un festival de ouf et tout, on est paumé. On est dans une sorte de banlieue chelou là. En fait, c'est la merde, on sait pas trop où on va dormir. On est vraiment paumé, on est vraiment des retards. De prévoyez quand vous. Enfin. Nique sa mère, putain, je sais pas comment on va faire, mais nique sa mère. C'est bon ? Avec moi, on va les retirer à la station de service. Reste-toi. Pourquoi c'est combien ? 2 270$. Ok, vas-y, viens. Qu'est-ce qu'on fout là, mec? ATM. Thank you. On va le faire. L'argent. Fonds insuffisant. On est dans la merde, mec. C'est fini. On est vraiment dans la merde. Plus d'argent pour rentrer, plus d'argent pour manger, plus rien. On va venir à la rue. Tout ça parce qu'on s'est dit, eh, hey, viens, on va à Miami. Oui, bien sûr. Mais viens, on va amener du pipi à Miami, mais toi, il est bien notre pipi. On a plus rien, on a plus rien. Mec, on a fait les cons, gros. On a assez pour une nuit? Ouais. Du coup, ce soir, on dort pas à la rue, mais demain, on a la rue, c'est ça? C'est ça. Faut qu'on court, mec, on nous a peut-être volé les trucs. Putain de merde! On est dans la merde, mec, tout ça pour amener de la pisse. Mec, on peut pour une nuit. Merde. C'est combien la nuit, elle a dit? Mec, il a plus de fond, mec, fond insuffisant. Je te jure, mec.
Non, j'ai dit qu'il fallait encore 10$ pour lui, mais pas où. Quoi? T'as 10$. C'est 10$ canadiens, mec. Oh putain de merde. Tu peux pas retirer? Non, mais dis-lui qu'à 10$ près, tu lui donnes des dollars canadiens et il fera le change. L'appartement 106. On peut dormir à deux, mais pas. Vas-y, fort. C'est bon, les gars. Du coup, n'hésitez pas à dormir à deux. J'ai payé à tes droits. Sur le lit de gauche. Merci, les mecs. Elles sont... Ah, j'ai payé. J'en peux plus. Ouais. Je te jure, je vais me branler 4 fois. Ok. Non, s'il te plaît, désolé. Zulek, une fois, deux fois. Zulek. Allez, casse-toi, cul. Ça pue le pied, ça. Tu pues des pieds, gros. Y'a des gens, frère. Mec, y a plein d'arrêts. Ah, tu pues des pieds. Non, je t'en supplie, mec. Mais étouffer tes pieds. La tête de ma mère que j'ai. 2000 euros. Je te les donne, je sais pas combien. Lave ces monstres, gros. Merci beaucoup, mec. Lave ces monstres. Merci, mec. Putain, tu gères. Ça fait trop de sextape. Police. Attends, c'est pas fini. C'est sympa, ton nom. Je vais me mettre un pendant en plus. Mec, laisse-nous finir notre affaire. Laisse-toi, cassez-le. Il est sympa, ton nom. Transition du matin. Harold est en train de faire dodo. Attends. Mec, ça va pas ou quoi? Je fais la morning routine de Harold. Mais arrête de te branler, putain! C'est une crevette, gros. Bonne nuit, Harold. Mec, c'est le jour, connard. Mais ferme ta gueule! Il est 9h du matin. Harold, il a pas encore dormi, mec. Est-ce qu'il a dormi, Harold? Ouais. Quoi? Il a dormi dans le sac. Quoi? Il fait plus de bulles, gros, il est pas bien. Ah, il est pas bien, faut aller à la WC, gros. Faut le secouer un peu. T'es malade? Non, mais vous êtes malade, les gars! Regarde, il fait des bulles, il est content. Je vais vomir, le pauvre, non mais vous êtes malade, vous êtes... Non mais c'est bon, c'est... Non mais c'est... ça me casse les couilles, vous êtes débiles, c'est pas possible. Oh ta gueule. Pardon. Pardon. Tu prendrais une bonne douche chez Medina. Pardon. Ne me parle pas sur ce ton. Je suis ta mère. Les petits cocos. Mais c'est quoi ce malade mental là? Mais ça va pas, Augustin? Mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Allez là les enfants! Quel vlog de qualité! Je suis en train de filmer, mec! Qu'est-ce que t'as fait avec Harold? Qu'est-ce que tu fais avec Harold? Mais c'est dégueulasse! Regarde les bulles qui fait! Mais regarde les bulles qui fait! C'est dégueulasse! Mais c'est dégueulasse! Mais regarde les bulles qui fait! Mais ça. Ah! Il est... C'est dégueulasse! Il est heureux, regarde ce qu'il a fait d'Harold. Ah, dégage, moi ça! Il est heureux! Dégage! Ah, tu vois pas comme ça, Harold? Allez, viens, on retourne jouer. Ça va pas. Non, mais il joue pas là, tu vois pas qu'il vomit? Mais il fait des bulles, il est content! Il a le cancer! Il fait plein de bulles! Il fait une crise, gros, il fait une putain de crise, regarde! Il a le cancer, bande de. Mais ça va pas là! Appelle la police, gros! Viens, on appelle les flics. Non, mais je rigole pas, on appelle les flics. Call de police, please! Mec, faut que tu le regardes! J'appelle les flics, mec, j'appelle les flics! Mais ça va pas! Vas-y, j'appelle les. Oh, c'est trop beau! Mec, je vais bientôt le mettre! Mec, c'est. Mec! On est au. What? What? On est au paradis! Attends, je fais un Battlefield Challenge avec Harold, moi aussi. Mais tu fais quoi? Mais voyons! Oh! Non! Il est mort! Il est mort! Il est mort! Tu vois pas qu'il vient de faire un AVC? Tu veux pas la prendre parce qu'elle pue. Je vais te laisser la Harold. Non. Deviens un héros, mec. C'est le jour où Harold va nous quitter, mec. Mec, ce qu'il voulait faire, c'est aller à Miami. On est à Miami, mec. Qu'est-ce que tu veux de plus? Faut bien te lâcher un moment. Je sais que t'es son manager, mec, mais... Regarde, tu veux même pas le prendre. Tu l'aimes pas, mec. Allez, on doit laisser Harold, mec. La cagoule, parle pas comme ça. On doit laisser Harold. La cagoule, mec, il voulait toujours venir ici. On y est. On y est, mec. On va laisser la place. Pourquoi la plage? C'est toi qui devrais. Vamos a la playa, visiter pendant baila. Yo cuente mi. Non, fais pas ça. Mais mec, il regarde juste la mer. Mais il va tomber, gros, il est jeune. Ça va, prends-le. Ça va, t'inquiète. Ouais, bah tu regarderas la plage, tu casses pas les couilles, fils de pute. Tu parles pas comme ça. Oh mon dieu, on va mourir. Qu'est-ce qu'on a avec une bouteille de fils? C'est bon. Jamais bouffé, là, mec. S'il te plaît, mec, c'est trop spotted. Non. Ils vont croire que c'est bizarre. Je vais regarder si je m'en fais la croix qu'après. One day's double combo.
with fries and iced tea. Thank you. Open my eyes when I bounce all the way. Paradis. Trop bonne. Ah. Le monsieur est trop bonne. Ouais. Le bon. Oh putain, oh là 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 là, mon dieu. Oh là là, mais faut que je sois riche, putain. Oh mon dieu. T'es massa, gros. C'est magnifique, mec. C'est magnifique. C'est magnifique. Nos fakes, c'est magnifique. Bien garni, du bon pain. Ah, vous avez un vlog manger. Il fait une crise, là. Quoi? Une putain de crise. Ouais, il fait une crise, mais garde-le. Caresse-le, caresse-le. C'est pas ferme, les massas. Attends, tu fais quoi, là? Non, mais mec, t'es en train de faire quoi, là? Oh, regarde, il y a son pote. Oh, regarde. On se casse. I've come to talk with you again. Because I live.